m'appelle Yasmina et je représente le Sénégal. Alors aujourd'hui, je représente la reine Makeda. Donc, Makeda est une reine d'Éthiopie, donc connue pour son incroyable beauté. Quand je parle de beauté, je parle à la fois de générosité, de sagesse et aussi de force. Et je me reconnais à travers tous ces traits de caractère dans la mesure où, compte tenu de la force, je suis quelqu'un qui me laisse difficilement influencer. Pour me faire baisser les bras, il m'en faut beaucoup. Et à côté de ça, je dirais que je suis quelqu'un de très généreux. Généreux parce que j'aime donner. Et puis, je pars du principe que quand on donne sans compter, il n'y a pas de raison qu'à un moment ou à un autre, on n'en soit pas récompensé. Donc, à côté de ça aussi, je dirais que je suis quelqu'un aussi de très sage. Dans la mesure où quand je prends des décisions, je prends toujours des décisions après mille et une réflexion. Des réflexions basées souvent sur les traditions, la famille et aussi sur le travail. Alors, ce qui me tient à cœur aussi, c'est le côté tradition, comme j'avais dit, puis modernité. J'aimerais tellement combiner les deux, faire un projet qui pourrait combiner à la fois tradition, c'est-à-dire ce que j'ai appris dans mon pays, qui est en particulier la Côte d'Ivoire, donc mêler les traditions ivoiriennes et puis ce que je reçois du monde ici aujourd'hui à Montréal. Et ce qui me tient à cœur aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir mêler mes traditions ivoiro-sénégalaises et ce que je reçois du monde aujourd'hui, donc allier tradition et modernité. Voilà, merci beaucoup.